Merci, Monsieur le Président. C'est un amendement d'appel qui vise à lancer une alerte sur une situation de discrimination qui dure maintenant depuis deux ans. Discrimination qui concerne, en matière de prix de l'énergie, les habitants du logement collectif, qu'ils soient locataires ou propriétaires, qu'ils soient en copropriété ou en logement social, ces habitants du logement collectif ne bénéficient pas du même bouclier tarifaire que les autres. Le bouclier tarifaire pour les particuliers est déjà insuffisant, mais le bouclier tarifaire pour le logement collectif est encore plus insuffisant. Ce que nous disent les fédérations de copropriétaires ou les fédérations de bailleurs sociaux, c'est qu'il qu y a une inégalité de traitement en fonction de si vous avez un compte individuel ou en fonction de si vous êtes en copropriété ou en logement social. Tout ça a des conséquences très concrètes. Nous sommes là à la fin de l'année. Il va y avoir des régularisations de charges qui vont être d'un montant extrêmement élevé et qui vont mettre les habitants de logements social ou de copropriété en grande difficulté. Voilà. Les augmentations de prix de l'énergie que subissent ces locataires ou ces propriétaires occupants. Ce n'est pas seulement le plus 15% comme ont connu les autres, c'est des fois 2 et des fois 3 dans les augmentations de charges. C'est une véritable bombe sociale qui risque d'exploser dans ce logement collectif. Alors je le fais là sous forme d'amendement d'appel, mais ça fait deux ans que nous menons cette bataille et je peux vous dire que nous ne lâcherons pas le morceau là-dessus. Il faut une protection pour les locataires du logement collectif qui soit au moins aussi efficace que les autres. Il n'y a pas de raison qu'ils soient discriminés et qu'ils payent leur électricité ou leur gaz plus cher que les autres. Non. Non, je, je pense que là, il y a une incompréhension. Si on fait le, le fil de cette histoire, moi, je me souviens, dans cette même commission, euh, il y a un petit peu plus d'un an, j'interpellais le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, sur cette question. Depuis octobre 2021, les prix n'augmentent pas sur leurs factures pour nos compatriotes. À l'époque, il nous disait « tout le monde est protégé par le bouclier tarifaire, il n'y a pas de sujet ». Il s'est rendu compte que si, il y avait un sujet sur le logement collectif qui ne bénéficiait pas d'un bouclier tarifaire. Depuis, vous avez raison, monsieur le rapporteur, les choses ont évolué. Il y a un bouclier tarifaire spécifique qui a été mis en place par le logement sur le logement collectif. Il ne s'agit pas de le nier. Par contre, il s'agit de dire que ce bouclier tarifaire spécifique pour le logement collectif... Il n'est pas aussi protecteur que le bouclier tarifaire qui s'applique pour les autres pour les autres clients. Et vous, vous faites l'amour, Monsieur le Rapporteur, mais c'est la position, l'analyse que font les fédérations des copropriétés et les fédérations des bailleurs sociaux. Et ça et cette discrimination qui fait que en plus généralement sur un public euh, socialement moins favorisé, parce que quand on parle du logement social, on a les travailleurs de première ligne, on a les retraités avec des petites pensions. C'est encore moins que les autres ceux qui peuvent se permettre d'avoir des hausses de factures d'énergie très importantes. De discrimination, il serait temps de, de, la remettre, de la remettre en cause. Alors, nous, notre position, c'est de dire il faut le retour aux tarifs régulés, réglementés de vente pour tout le monde, bailleurs sociaux, copropriétés, comme compte client individuel, comme les, les entreprises. Mais en tout cas, il faut agir Merci pour vous. résorber cette inégalité qui n'est pas supportable. Merci.